Donc ce matin, on va parler de nous, donc psychologues de l'éducation nationale. Alors, donc je suis entourée de Carole Verdier, psychologue éducation nationale, du docteur Martine Lerude, qui est psychiatre, psychanalyste et membre de l'Association Lacanienne Internationale, de monsieur Benoît Lafont de Lannion, de l'entreprise Sushi, donc créateur de jeux vidéo, vous nous direz plus précisément, et de Nathalie Dupouille, psychologue éducation nationale, et moi-même, Régine Pouillade. Bon, alors, la préparation de ce congrès nous a interrogés sur notre posture, nous, dans notre métier, vis-à-vis de ces jeunes connectés. Que nous apprennent ces jeunes connectés? Ce congrès, vous savez que ça se prépare quand même au moins sur un an, hein, pour ceux qui vont poursuivre ce travail. Ça nous a permis de réfléchir sur l'intérêt, nous, de faire une place dans l'usage du numérique, et cela dans le champ de l'orientation, en particulier dans les entretiens que nous menons avec les jeunes. Alors, comment nous saisir dans notre métier de l'usage de ces outils connectés qui, pour nous, en tout cas, offrent des situations totalement inédites dans nos pratiques? Jusqu'à présent, cet intérêt pour les jeux ne faisait pas l'objet d'une attention particulière dans nos entretiens. Alors, on s'est demandé pourquoi, puisqu'on ne s'arrêtait jamais quand un jeune nous parlait de ses intérêts, puisqu'on travaille beaucoup à partir des intérêts. On s'est demandé pourquoi on avait tendance, enfin en tout cas on ne s'autorisait pas à poser la question « qu'est-ce que tu fais avec ton jeu ?» Peut-être avions-nous tendance à déprécier les jeux, hein, à la fois au niveau professionnel avec les jeunes, mais également avec nos propres enfants. Et également, la position des jeunes aussi était aussi un petit peu réservée, c'est-à-dire que les jeunes hésitaient à nous parler du plaisir et de leur intérêt pour les jeux vidéo. Alors la préparation de ce congrès, je vous dis, nous a permis de faire un pas de côté. Dans ce qu'on va vous présenter ce matin, on va essayer de voir comment on travaille à partir de ce nouvel espace. Bien sûr, on ne veut pas en faire une panacée, hein. On a d'autres supports dans l'entretien avec lesquels on travaille. On a toujours un temps très important où on parle des loisirs des jeunes, de leurs résultats scolaires, etc. Mais en tout cas, là, pour la préparation de son congrès, on s'est véritablement arrêté sur cet espace de jeu. De toute façon, j'allais dire, c'est presque inévitable, on a des jeunes en face de nous qui passent une grande partie de leur temps, de leur énergie dans ces activités. On ne peut pas passer à côté de ce qu'on appelle maintenant la réalité virtuelle, ça semble difficile. Cette révolution numérique, elle est en marche, elle concerne tout un chacun, pas simplement nos jeunes, comme on disait tout à l'heure. Hein. Alors, la prise en compte de cet univers, pour nous, ce serait un nouvel espace. Peut-être vous nous direz ce que vous en pensez. Un nouveau lieu qui est susceptible, en tout cas, pour nous, de participer d'une énonciation du jeune. Hein, pouvoir faire surgir des éléments de sa subjectivité. Cet espace offre un potentiel narratif qui peut permettre aux jeunes un travail de symbolisation par la construction d'un récit. On sait combien cette période d'adolescence est une quête, hein, de ses coordonnées, de sa place. Prendre en compte le numérique permet d'ouvrir un nouvel espace de rencontre avec les jeunes. Avec mes collègues, on va essayer de prendre quelques fragments d'entretien avec trois jeunes et puis poser des questions peut-être à partir des entretiens qu'on a eus. En ce qui me concerne, j'ai rencontré une jeune fille, elle est vraiment tombée au bon moment, c'est au mois de juin, donc ça tombait vraiment bien. Elle prend rendez-vous, elle est en classe de 4e au collège, elle n'a pas de demande précise, elle vient parler. Parents divorcés, elle vit chez sa mère. Et elle me dit, je passe tous mes moments libres à jouer. Je suis seule dans ma chambre et je joue. Voilà. Elle me dit, j'aime bien tout ce qui est ordinateur. C'est une de mes passions. Je
Je lui propose donc de lui parler de cette passion et puis de ce qu'elle fait avec l'ordinateur. Elle me dit « J'aime construire, construire un univers qui me ressemble. Quand je joue, on ne me juge pas. J'ai horreur des jugements. Je me renferme dans ma bulle, dans ma chambre. Personne ne me juge. Je ne peux pas me voir. Je n'aime pas mon visage, même quand j'étais petite. Et le pire, c'est mon front. » Alors, cette jeune fille joue au jeu des Sims. Hein, donc, moi-même, je ne connaissais pas ce jeu, j'en sais un peu plus par cette jeune, mais je vais demander à M. Lafont de nous en dire quelque chose. En particulier, pourquoi ? Parce que cette jeune va modifier, va se créer une morphologie. Donc, ce jeu, ce qui la passionne, c'est de rechercher une image idéale d'elle-même en faisant modifier, donc, en particulier, ce front qu'elle ne supporte pas, ses cheveux qui sont trop frisés, et puis ses yeux qui n'ont pas la couleur qu'elle veut, etc. Hein, donc c'est vraiment là où elle prélève des traits, comme ça, sur un personnage des Sims. Hein ? Bonjour à tous. Explication rapide sur ce qu'est le jeu des Sims. S'il y a déjà des gens dans la salle qui ont donc déjà joué à des jeux, peut-être qu'ils connaissent SimCity, qui était un jeu de gestion et de construction de ville. Donc le but de ce jeu, c'était on était un maire et on devait construire une ville. Et les Sims, c'est un spin-off de cette licence SimCity, où au lieu de construire une ville, on construit une famille. Donc on crée son personnage, comme on l'entend. On lui met un mari, une femme, des enfants, comme on veut. On construit la maison. Donc il y a une grande partie du jeu qui est de la construction de domicile, où on peut meubler comme on veut. Et après, donc c'est une simulation, ce qu'on appellerait arcade, donc qui n'a pas le but d'être très réaliste, où on doit donc faire vivre cette famille, lui trouver du travail, et faire en sorte qu'il soit les plus heureux possible. Donc ça, c'est donc le but de SimCity, des Sims. Et dites-moi un peu plus sur le personnage. Il y a des variations, des traits qu'on peut faire varier comme ça, nombreux, par rapport à ce cas-là, par exemple. Alors, pour le coup, les personnages sont entièrement paramétrables. Donc, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, la taille, la corpulence, la couleur des cheveux, les traits du visage. Donc, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire une famille Frankenstein, vous pouvez faire une famille Frankenstein. Vu que c'est un jeu arcade et pas réaliste, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Recréer des personnes qui existent vraiment. Moi, je sais que c'était sur le premier jeu Les Sims avec mes sœurs, on avait recréé notre famille dans Les Sims. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut dans la création du personnage. Oui, je trouve intéressant que vous avez dit qu'il s'agit de construire une maison, de construire une famille, et puis vous avez dit un domicile. Et sur ce mot domicile, c'est là-dessus que j'interviens, parce qu'effectivement, quel domicile un adolescent est amené à trouver ? Domicile subjectif, un lieu où il puisse effectivement élaborer sans savoir qu'il élabore, mais un lieu qui fait domicile. Et je trouve que ce passage de la maison au domicile est tout à fait passionnant. Et c'est avec ça que nous, que je dirais qu'en tant que psychanalyste, on travaille dans un jeu. Il s'agit de construire une maison, mais il s'agit de se donner un domicile subjectif, c'est-à-dire un lieu où le sujet puisse advenir. Et je trouve formidable que dans votre manière de parler du jeu, vous ayez employé ce mot de domicile. Et c'est d'autant plus vrai ce que vous dites, Madame Lerut, que cette jeune fille, justement, elle est dans un domicile bien fragile, puisqu'elle navigue entre un père, une mère, vous savez bien, de parents divorcés, où elle ne sait pas trop où elle va vivre. Donc d'autant plus, même physiquement, avec une quête, effectivement, de trouver ce domicile psychique à l'adolescence. Alors, moi, je rebondis maintenant sur une question un peu plus clinique, c'est-à-dire que si on reprend la question de l'identification, qui est un processus
par lequel l'individu se rend semblable à un autre, en totalité ou en partie. Alors, je me suis dit, moi, cette Eva, elle prélève comme ça des traits, elle prélève des traits sur du virtuel, sur un personnage virtuel, alors qu'habituellement, l'identification, ça va se passer avec des petits autres. En général, il y a de la parole. Hein, là, c'est un objet, enfin, c'est une création virtuelle désincarnée, le corps n'est pas engagé. Donc la question, peut-être, c'est la question effectivement de ces nouvelles identifications à l'adolescence, hein, qui passent beaucoup par la création de ces avatars, peut-être. Je pense qu'on peut aussi rejoindre la notion des avatars et s'en passer par des petits autres. Voilà, en ce qui me concerne, peut-être vous garderez la question. Bien sûr, c'est tout ce qui est en jeu à l'adolescence avec la question du changement corporel. Mais ce que je trouve très intéressant dans les propos que vous avez rapportés de cette jeune fille qui vient en écho de ce qu'on a entendu, c'est qu'elle vous dit « quand je joue, on ne me juge pas ». Et tout à l'heure, il y avait un garçon qui disait « on est jugé juste avec son jeu ». C'est-à-dire que, bien entendu, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'évitement. C'est-à-dire à la fois ne pas se confronter aux autres ni à ce qu'on appelle dans le jargon analytique au grand autre, mais effectivement cette question elle est sous-jacente, c'est la question de l'idéal, c'est-à-dire avec quel trait de l'idéal est-ce que je pourrais aller dans le monde. Enfin, je pense que c'est ça qui est passionnant dans ce jeu, quels sont les traits d'idéal qui feraient que je pourrais aller dans le monde. Et ça, du même coup, ça permet de travailler quels sont les traits qui peuvent sembler idéaux pour un sujet par le biais du jeu, alors que ça ne pourrait pas du tout être dit autrement, parce que ce serait, si elle venait frontalement, c'est le cas de le dire, mon front ne me plaît pas et il faudrait que j'aie un autre front, quand ça passe par l'espace ludique, c'est déjà à la fois... Ça, cette dimension ludique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux. C'est sérieux, mais c'est pris dans l'espace du jeu. On en est dupe, mais on n'en est pas complètement dupe. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Au fond, c'est ce qu'on a là. Le jeu nous sert, comme je pense que c'est ce que vous montriez, comme moyen du bord dans l'entretien. C'est pas un nouvel espace ou un nouveau lieu, c'est que c'est les moyens du bord. On travaille avec ce qui intéresse les enfants, les jeunes, les adultes qu'on reçoit. Et ça fait partie de nos moyens. Moi, j'ai sur ma table mon portable, mon iPad, et effectivement, si un enfant que je reçois en thérapie veut prendre l'iPad, l'ouvrir, on va y aller ensemble. Qu'est-ce que tu vas chercher? Pourquoi ça? Et je veux dire, ça fait partie des moyens qui sont là à notre disposition. Et quand il y a un jeu précis dont un jeune peut parler, qui met en jeu son corps, alors c'est curieux, parce que vous voyez, le corps, comme elle dit, elle est toute seule dans sa chambre, le corps ne bouge pas, il est pris devant son ordinateur ou sa tablette, mais néanmoins, son corps, il est mis en jeu par le biais du jeu lui-même. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est toute seule et en même temps pas si seule. Et ça, c'est ce paradoxe permanent que permettent, je trouve, les jeux aujourd'hui, seuls, pas si seuls. Oui. Je voulais juste revenir vite fait sur ce que disaient les jeunes sur le fait que jouer aux jeux vidéo, ça permet d'éviter le jugement. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus dans les jeux. L'évitement du jugement, ça marche très bien pour les jeux qu'on appelle solo, où il n'y a qu'une aventure où le joueur joue tout seul. Mais du moment qu'on part dans des univers en ligne, il ne faut pas oublier que le jugement est tout aussi présent. Il y a énormément de cas de cyberharcèlement, que ce soit du moment qu'on est une femme et qu'on joue à un jeu vidéo, on sera tout de suite catégorisé comme étant moins bonne que les joueurs hommes par une partie de la communauté. Si un personnage est trop efféminé ou porte des couleurs roses ou autres, tout de suite on aura des remarques homophobes. Donc il ne faut pas oublier que le jugement existe aussi dans les jeux vidéo. Et souvent, j'aurais tendance à dire,
il peut être plus cruel que dans la vraie vie, parce que les gens partent du principe que c'est des avatars, que c'est du virtuel, donc on peut dire ce qu'on veut, ce qui n'est pas le cas. Et voilà, je voulais revenir sur ça. Oui, mais alors pourquoi est-ce que ce garçon disait être jugé, c'est ça, juste avec son jeu? Alors, parce qu'encore une fois, ça, quand il dit être jugé juste avec son jeu, parce que pour le cas de Fortnite, il y a les skins qui permettent de différencier les personnages, mais c'est aussi beaucoup ce qu'on appelle du skill, donc des compétences. Ça s'appelle du style. Du skill. C'est de l'anglais pour de l'habileté. Oui. Et en gros, on juge quelqu'un là-dessus. Donc si quelqu'un se débrouille bien au jeu, il va être respecté. Si quelqu'un se débrouille mal au jeu, il va être décrié. Mais il y a un nom pour ça d'ailleurs, non? Un troll ou... Non, pour le quelqu'un qui se débrouille mal, on va le traiter de noob. C'est-à-dire que voilà, c'est un mauvais joueur, c'est un débutant. Parce que être débutant dans les jeux en ligne, c'est jamais une bonne chose. C'est un peu comme dans le milieu professionnel, avoir zéro année d'expérience, c'est pas bon. Il faudrait tout de suite savoir jouer quand on arrive sur un jeu. Ce qui n'arrive pour personne. Mais donc pour ce cas-là où il dit être jugé que par rapport à son jeu, c'est dans des jeux où il y a peu d'aspects de personnalisation. Dans Fortnite, on peut changer de costume autre, mais on a peu de ces moments d'interaction réelle avec d'autres joueurs, qu'on peut avoir plus dans des MMORPG, où là, on crée vraiment son personnage, sa personnalité, et on interagit plus avec des joueurs, il y a beaucoup de discussions, et du coup, c'est dans ces moments-là qu'il y a plus d'harcèlement autre que juste « t'es mauvais, tu sais pas jouer ». Voilà. Très bien. Bon, on va poursuivre peut-être avec Nathalie Dupouille, qui va nous présenter un jeune. Alors, je vais vous parler d'une rencontre avec Ewen, qui aura 16 ans dans un mois et est scolarisé au lycée en seconde. Il souffre d'une dyspraxie sévère, est en échec scolaire et refuse toute aide possible. Il est souvent en retrait et a peu d'amis. Et quand je le reçois, il est triste et sa mère s'inquiète. Le début de l'entretien est laborieux, il n'est pas spontané, les réponses peu développées, mais quand au détour d'une question, je lui demande s'il pratique une activité de loisir. Là, son visage s'éclaire, il s'ouvre et il me dit « Oui, je travaille sur des projets artistiques sur Internet. » Je l'invite donc à me raconter. « J'aime créer des histoires, j'écris des scripts et avec d'autres personnes, on essaye de développer des dessins pour animer des histoires. Et c'est moi qui organise les réunions de travail en ligne. » Alors je lui demande si ce sont des personnes qu'il connaît dans son entourage au lycée. Et il me répond « Non, je les ai rencontrées par hasard sur Internet. On est 10 et certains sont dans une école d'audiovisuel. » Et ça, c'était important de me le préciser. Puis il poursuit. Il me raconte qu'il passe beaucoup de temps sur son ordinateur, toutes ses soirées, qu'il y est bien et qu'il fait ce qu'il veut. Puis, il rajoute, assez spontanément pour le coup, « Mais je suis aussi administrateur pour un serveur de jeux en ligne, régulateur en quelque sorte. Je peux organiser des événements autour d'un jeu et réunir plusieurs joueurs, ou des fois, faire respecter des règles s'il y a des disputes. » Puis il poursuivra qu'il aimerait devenir game coach ou écrire des scénarios pour le cinéma. Et ce qu'Ewen me décrit me permet de découvrir en quelque sorte qu'il arrive à prendre une place dans cet espace virtuel qu'il peine à prendre dans sa vie quotidienne de lycéen. Quand il en parle, il s'anime, il est bien présent et son énonciation vient dire là quelque chose de lui qui contraste avec ce qu'il donne à voir par ailleurs. Ce qui me frappe, et on l'a entendu dans d'autres vignettes, il évoque le mot « travailler » avec d'autres. Et certains diront « j'ai des collègues, des collaborateurs ». Et alors que par ailleurs, il lui est très difficile de s'investir dans des travaux de groupe. Sur Internet, il a des missions, il développe des compétences,
alors qu'au lycée, il peine à faire ce qu'on lui demande. Et du coup, ce qui me frappe, c'est que j'ai le sentiment que dans son énonciation, quand il évoque ses activités sur Internet, c'est du sérieux. On reconnaît ses compétences, on lui fait confiance. Il interagit avec des personnes plus âgées. Et donc, je m'interroge un peu, l'utilisation de ce cyberespace pour les adolescents, donc cet espace aux multiples entrées, Internet, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, on constate qu'il y a de multiples qu'ils ont de multiples fonctions, comme rêver, apprendre, interagir, s'inventer. Comment est-ce qu'on peut le prendre en compte ? Comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces apprentissages, souvent en autodidacte, ces nouvelles compétences que développent les jeunes à travers l'utilisation des outils numériques et qui ne seront pas, pour la plupart d'entre eux, validées par un diplôme ? Parce que certains viendront questionner l'orientation à ce niveau, mais pour les autres, ça sera un passage. Donc, je me demandais si ces compétences acquises, est-ce qu'elles sont transférables à un moment donné, dans une vie de futur étudiant, voire de salarié? Est-ce qu'elles peuvent être prises en compte? Est-ce qu'elles le seront sur une lettre de motivation? Voilà, c'est une question. Moi, déjà, dans ce qui a été dit, si on enlève tout le bagage technique qu'il aurait pu acquérir dans ses créations, ce que je retiens, c'est qu'il organise des réunions, il gère des gens, et ça, dans le milieu professionnel, c'est ce qu'on va vous apprendre à faire. Moi, je sais que quand je suis arrivé à l'IUT, on nous faisait des cours de communication pour nous apprendre à tenir des réunions et à gérer des gens en entreprise, des cours de gestion de projet aussi. C'est des choses, c'est des bases qu'il aura déjà pour une expérience professionnelle. Car il ne faut pas croire que gérer 5 personnes sur un projet perso sur Internet, ça se rapproche beaucoup de gérer 5 employés lors d'une réunion. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à des jeux en ligne. En classe, je n'étais pas forcément très... à l'école, j'étais pas forcément... j'étais timide. Et dans ces jeux en ligne, je me suis retrouvé d'un coup d'un seul à des postes à responsabilité, à devoir gérer entre 10 et 25 personnes, devoir leur expliquer comment fonctionnaient certaines choses, à trouver les moyens, être suffisamment pédagogue pour que le message passe vite et efficacement, arriver à garder leur motivation 2 heures d'affilée dans un jeu. Et c'est des qualités que, après, des compétences que j'ai pu réutiliser par la suite, durant mes études, quand je devais gérer des équipes sur des projets ou autres. Donc, ces compétences, on peut souvent les sous-estimer ou avoir l'impression qu'elles serviront à rien, mais dans les faits, elles auront toujours eu un débouché quelque part. C'est-à-dire que vous posiez la question de la validation de ces compétences. Bien entendu, l'essentiel des compétences qu'on acquiert, elles ne vont pas être validées par les structures universitaires ou scolaires. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous évoquez, c'est-à-dire que vous avez parlé de timidité. C'est-à-dire qu'au moment où il y a, on pourrait dire, cette espèce d'acmé de timidité qu'est l'adolescence, qu'il y ait un lieu où quand même le corps est mis à l'écart. On n'a pas à y aller en chair et en os. On y va autrement, aussi avec de la parole, avec des émotions, avec de l'imprévisible dans les liens. Mais néanmoins, il y a le cadre rassurant, pour le coup, là, de ce qu'il en est d'Internet, il fait que le corps n'y soit pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on pourra y aller, je dirais, de tout son corps? Ça, c'est une question. Mais alors, quand vous vous posiez comme question, comment prendre en compte? Mais on prend en compte. Je veux dire, il n'y a pas une manière de prendre en compte. On prend en compte, c'est là. Et il vous raconte effectivement son trajet, ses rencontres,
qui passe par ce biais-là. Et au fond, on demande quoi à l'adolescent aujourd'hui, celui qui est en classe de seconde, hein, c'était ça, on lui demande de rester tranquille et de préparer son bac, hein, et de penser à son avenir. Penser à son avenir, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un truc terrifiant, penser à l'avenir. C'est vraiment la chose la plus horrible qui soit. Donc là, il y a quelque chose où il va trouver des missions. Les missions, c'est quand même formidable parce que c'est cadré. Et ces missions vont déboucher sur des rencontres. Et c'est là où on passe de quelque chose de cadré à de l'invention. Et c'est, je crois, le crédit fondamental qu'on a à faire au jeu des adolescents, c'est-à-dire la manière dont certains, pas tous bien sûr, vont s'approprier le jeu comme un lieu à la fois de contraintes. Les missions, elles sont déjà spécifiées avec un certain nombre de règles, de mots, et puis en même temps, un lieu de liberté qui sera la liberté que le sujet pourra se donner à lui-même à l'intérieur de ce cadre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec... Mais je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là, et ça, c'est la dimension du jeu, ce n'est pas nouveau. Winnicott, il n'a pas cessé de parler de l'espace créatif du jeu. Ce n'était pas le jeu sur Internet, mais c'était cette dimension du jeu. Ou plus avant, le grand théoricien du jeu qui était Winziga, hein, c'est-à-dire en 1933, son bouquin sur le jeu. C'est-à-dire qu'il y a là, effectivement, un espace contraint avec des règles et en même temps qui ouvre des possibilités d'appropriation, de liberté et de création pour le sujet. Et au fond, c'est vous nous racontez comment vous vous êtes approprié quelque chose, vous ne saviez même pas que ça existait. Vous ne saviez même pas comment le nommer. Et en même temps, vous organisez des jeux, vous êtes dans une position qui n'existait pas en tant que telle comme elle existait dans la formation à l'IUT. Moi, quand je me suis rendu compte que j'avais acquis des choses utiles de mes passe-temps, c'est vraiment quand je suis arrivé en études supérieures. Parce que contrairement au pré-bac, où là c'est vraiment plus du scolaire, comme vous disiez, tenez-vous bien et passez votre bac, le post-bac c'est préparez-vous au travail en entreprise. Et ces projets perso, c'est pas du projet scolaire, c'est du projet professionnel, car c'est cet enfant le disait, il travaillait avec des gens qui étaient en études supérieures, donc qui eux se préparent au monde professionnel. Donc c'est plus à ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a acquis des choses qui nous sont réellement utiles. Et pour compléter, je crois, vous dites, mes expériences managériales, je les ai apprises en jouant. Oui, ça c'est ce que je disais, avoir à gérer 10 à 25 personnes 3 soirs par semaine, ça force à savoir juste gérer des gens, ce qui n'est pas forcément évident. Pour pas que, voilà, dans un cas simple, il faut être sûr que tout le monde soit préparé, que tout le monde ait compris ce qu'il doit faire, parce que c'est souvent des stratégies à suivre assez scrupuleusement, et du coup il faut que chacun sache sa place, ce qu'il doit faire, et arriver à, quand ça va pas, quand ça ne marche pas, à leur expliquer, à identifier où est-ce que ça n'a pas marché et comment est-ce qu'on peut plier la stratégie pour que tout le monde réussisse malgré certaines faiblesses de certains joueurs, pour justement, plutôt que de les forcer à aller dans un sens dirigé, à plier la direction choisie pour arriver au même lieu, mais avec leurs compétences particulières. Dites-moi, ces stratégies, elles supposent une obéissance. De toute façon, dans ces milieux-là, il y a un chef, donc c'est lui qui propose la stratégie. Les autres doivent la suivre, parce que sinon, c'est comme dans tout milieu, si dans votre entreprise, votre chef vous dit de faire quelque chose, mais vous partez faire quelque chose complètement... Vous êtes maçon, il vous dit de faire un mur là, vous allez faire un mur à 3 mètres, ça ne va pas le faire.
Il faut suivre la direction voulue, mais, et ça c'est le travail du chef aussi, se rendre compte quand les gens n'arrivent pas à suivre la direction pour rectifier le tir et arriver à ce que tout le monde soit inclus. Il ne faut pas que les gens se sentent exclus parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est ça aussi. Alors ça, c'est un point. Comme vous dites, il y a un chef, il y a un maître du jeu. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que ces adolescents, enfin, que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment dans ma petite lorgnette de thérapeute, hein, c'est au cas par cas, qui étaient des rebelles par rapport à l'ordre établi, se trouvaient dans le jeu tout à fait obéissants. Obéissants au maître du jeu, obéissants effectivement à la stratégie. Et pourtant, cette obéissance à la stratégie, pareil pourtant, non, le pourtant n'intervient pas, avait une fonction de les soulager de l'angoisse dans laquelle ils pouvaient se trouver dans leur vie, je dirais, sans repère, dans leur vie en stand-by, en attente de devenir grand, de pouvoir faire des choix, etc. Après, les personnes suivent souvent les règles qu'ils ont envie de suivre. Si dans un jeu, c'est très hiérarchisé, mais qu'on a envie d'être dans cette hiérarchie, on s'y plaira. Moi, je sais que j'avais certains collègues au lycée qui n'étaient pas très bons en classe, mais finalement, j'étais surpris d'apprendre qu'ils avaient rejoint l'armée, où ils défiaient toute autorité au lycée, mais ils sont partis dans, pour ce qui est pour moi, l'organe le plus hiérarchisé et le plus strict qui puisse exister. Donc, c'est juste que c'est un milieu qui leur plaisait. Et je pense que ouais, chacun choisit un peu les règles auxquelles il veut se plier. Le premier patient avec lequel j'ai travaillé sur les jeux, il jouait à Star Wars et il était un soldat absolument appliqué qui franchissait toute la hiérarchie de Star Wars alors qu'il était complètement perdu dans sa vie d'adolescent. Mais il n'est pas devenu ni militaire ni gendarme. Il a fait un travail, hein, thérapie, c'est peut-être pour ça. Mais ça, c'est vraiment passionnant. Alors, oui, il faut que je fasse attention. Et pour compléter quand même par rapport à la question de ma collègue Ewen, vous le prendriez ce jeune avec ses compétences, parce qu'a priori, bon, il est en grande difficulté, hein, mais il a développé ses compétences. S'il se présente dans votre société Sushi, là, qu'est-ce que vous en faites de ce jeune? Alors, déjà, ça dépendra de ce qu'il aura produit, parce que voilà, dans le secteur du jeu vidéo, c'est comme dans beaucoup de secteurs artistiques, on regarde avant tout les books qu'ont pu faire les gens, que ce soit des artistes ou même des développeurs. On regarde toujours les projets qu'ils ont fait avant. Donc ça dépendra du coup des travaux qu'il a fait. Mais oui, c'est pas impossible. Après, c'est vrai qu'on préfère quand même prendre des gens qui sont, après, en études supérieures, passés par des écoles ou des organismes de formation. Même si ça nous est déjà arrivé de travailler par exemple avec des gens, des graphistes, des modélisateurs 3D, qui ont été uniquement autodidactes, qui ont tout appris par eux-mêmes et qui n'ont fait aucune étude supérieure dans la modélisation 3D. Donc oui, ça peut, ces aptitudes-là peuvent être reconnues, oui, dans le milieu professionnel. Mmh. Merci, très bien. On va passer à Carole Verdier, sa petite vignette. Voilà, donc moi je vais vous parler de Célia, qui est élève de 4e et qui a 13 ans, hein, et qui vient me voir sur une permanence d'un de mes collèges. Et donc elle me dit qu'elle s'intéresse au métier de bureau, parce que secrétaire c'est bien. Et donc l'entretien commence. Elle me dit très vite qu'une de ses sœurs a arrêté l'école, mais que pour elle, l'école, c'est important, c'est une porte vers l'avenir. Voilà. Elle me parle de ses résultats scolaires et déclare « il pourrait être mieux si je ne passais pas trop de temps sur les réseaux sociaux ». Et alors là, effet ou pas de la préparation de ce congrès, je me hasarde à lui demander, vous voulez bien me parler de ce que vous y faites sur les réseaux sociaux ?
Et alors, j'ai pris vraiment au plus près de ce qu'elle a dit en lui demandant l'autorisation d'écrire ses réponses. Hein. Donc je suis le plus proche possible, en tout cas, de ce qu'elle disait. Alors, donc, vous voulez bien me parler de ce que vous y faites sur les réseaux sociaux. Je parle avec des amis. Je peux voir ce qu'ils font de leur vie. Mais d'un côté, je trouve que c'est une perte de temps. Parce qu'on n'arrête pas de regarder ce que font les autres au lieu de faire ce qu'on a à faire. En ce moment, je réfléchis beaucoup parce que je me sens très seule. J'essaie de mettre les choses en place, de mettre les choses dans l'ordre. Et votre solitude, je lui demande, vous la rattachez à quoi ? À la vie et à ne pas avoir de communication avec la société. Et puis, il y a une histoire avec ma meilleure amie qui ne me parle plus. Une histoire d'identification dans une publication. Alors, voilà, je lui dis, vous pouvez m'expliquer ce qu'elle fait. Quand il y a une publication dans l'espace commentaire, si on met le nom d'une personne, cette personne voit la publication et ses abonnés aussi. Vous avez publié quoi ? Je suis allée chercher dans un compte de citation où je suis abonnée et j'ai choisi cette citation. Ouvrez les guillemets. Quand on voit ses ex, fermez les guillemets, et j'ai rajouté l'image d'un garçon qui regardait bizarre. Bizarre. Célia, vous avez parlé d'identification. Ah, mais identification, madame, sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire mettre le nom de la personne dans les commentaires avec l'arobase. Ouh, je crois que je vous ai perdu là, me dit-elle. Et votre intention dans cette affaire, c'était quoi ? Je voulais qu'avec ma copine, on en rigole ensemble, comme d'habitude. Mais elle n'a pas apprécié, parce que des gens de sa famille ont vu la citation. Ben, vous êtes dans le même collège, vous n'en avez pas reparlé ensemble ? Non. Je me suis excusée en envoyant un message. Un message, c'est plus simple. Ça permet de réfléchir mot pour mot à ce que je vais dire. Avant, je passais pas tout mon temps sur les réseaux sociaux. Avant, les gens qui n'avaient pas la technologie, ils ont fait des choses. Avoir toujours le téléphone dans les mains, c'est agaçant. Ça nous empêche de voir les choses qu'il y a à faire. Je suis capable de m'occuper sans le téléphone, mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc le fragment d'entretien s'arrête là. Donc cette adolescente, elle amène presque d'emblée la question des réseaux sociaux. Alors la préparation de ce congrès a eu des effets. Avant, je ne m'en serais certainement pas saisie. Et c'est vrai que maintenant, je me demande un petit peu bah, pour quelles raisons. Est-ce que les paroles d'un adolescent, parce qu'elles tournent autour du numérique, auraient moins de valeur ? Est-ce qu'on ne peut en faire qu'une lecture comptable ? En termes de temps passé devant les écrans. Je me dis maintenant que si je ne l'avais pas invitée à m'en dire un peu plus, si je n'avais pas accepté de m'y perdre un peu, Célia n'aurait peut-être pas abordé toutes ces questions qui sont essentielles à l'adolescence. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? À quoi vais-je me vouer ? D'où et par qui suis-je appelée ? Comment ils s'en sortent les autres pour savoir ce qu'il y a à faire ? Célia est connectée pour envoyer des messages, elle utilise des citations, elle cherche le mot pour mot. On la devine fragile quand il s'agit d'aller à la rencontre de son amie avec ce que ça suppose d'aléas et de malentendus. Donc c'est grâce au récit qu'elle me fait que des mots peuvent être mis sur la difficulté d'être un sujet en construction, en devenir. Donc moi j'ai été épatée par cette gamine de 13 ans qui nous explique comment elle est partagée par rapport à ce qu'elle appelle la technologie. Célia, elle n'est pas dupe de l'objet, le smartphone, qu'elle place même, enfin il me semble en tout cas, au rang de gadget. La question qu'elle pose, c'est celle de son désir qui pourrait venir l'orienter dans la vie. Voilà. Alors moi, j'avais une petite question pour Benoît. On a vu que le mot identification, par exemple, n'avait pas forcément le même sens pour elle, pour moi. Et la question qui me vient, c'est est-ce qu'on peut se comprendre de ce fait-là ? Je pense qu'il y a toujours moyen de comprendre l'autre du moment qu'on s'intéresse à ce qu'il dit. Par exemple, dans le cas de l'identification,
Elle a tout de suite compris que vous n'aviez pas compris. Oui. Et elle s'est expliquée. C'est un peu le cas de vocabulaire non maîtrisé dans certains milieux. C'est pareil pour le cas de... je repasse plus dans le cadre des jeux vidéo, mais chaque type de jeu vidéo a son langage propre. Et si on est habitué à un type de jeu et qu'on va se mêler à une nouvelle communauté d'un nouveau type de jeu, il faudra un temps d'adaptation parce qu'on ne comprendra rien de ce qui sera dit. Mais c'est du moment qu'on s'intéresse à la personne qui est en face, il y a toujours moyen de se comprendre. Comment on pourrait imaginer qu'un mot n'ait qu'un seul sens? C'est notre expérience, les mots sont plurivoques tout le temps, tous les mots de la langue. Alors c'était le rêve d'Aristote, hein, un seul mot, le mot correspond à une seule chose, un seul sens, et on va éliminer tout ce qui sera de l'ordre de l'homonymie, de l'homophonie et des autres sens qui viennent. Donc le signifiant, comme le formulait Lacan, n'est pas identique à lui-même. L'identification dont elle parle n'est pas l'identification dont vous pourriez parler en tant que psychologue, mais ce n'est pas non plus l'identification au sens policier ou dans d'autres sens qui sont déjà répertoriés dans le dictionnaire. Alors, bien entendu, ce dont elle vous parle, c'est du rapport à la langue. Quand elle vous dit, elle envoie des citations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui parle ? Est-ce que c'est moi qui parle quand je parle, ou est-ce que je parle déjà la langue de l'autre ? Une langue qui me précède. Je vais faire la savante. Dans la Chine des mandarins, comment se passaient les examens des mandarins? Ils se passaient à partir des livres fondamentaux de la langue chinoise, des quatre livres de poésie, qu'ils apprenaient par cœur, et ils devaient répondre aux questions uniquement par citation. Leur singularité, c'était la manière dont ils allaient articuler les citations. Elle, quand elle s'empare de citations, qu'elle est abonnée à un compte de citations, c'est-à-dire qu'elle a la conscience aiguë que quand elle parle déjà une langue qui la précède elle-même, qu'elle est parlée. Mais c'est ce que nous disent les adolescents quand ils nous disent, par exemple, « Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas d'idée. » Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'idée et de répéter quelque chose qui a déjà été dit avant eux. Hein ? Alors, bien entendu, on ne cesse pas de parler par citation sans d'ailleurs avoir oublié qu'on est en train de citer. On parle avec les mots de l'autre, les mots du grand autre qui nous habitent. Et ça, c'est la question du rapport à la langue pour tout adolescent. Et quand elle fait jouer le signifiant qui n'est pas identique à lui-même, votre identification, ce n'est pas la mienne dans les jeux, ce n'est pas non plus la manière dont moi je veux utiliser ce mot-là. Effectivement, c'est toute la difficulté de se faire entendre, de se comprendre, qui fait qu'on entend toujours autre chose que ce qu'on croit avoir entendu, et qu'en plus, quand je parle, je dis autre chose que ce que je crois avoir dit. Mais là, elle est au cœur de cette problématique. Et ce qui est formidable, c'est que ça se déploie par le biais des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle s'en sert pour formuler sa question. Donc on a là un outil formidable, à quelles conditions? C'est-à-dire qu'elle s'adresse à quelqu'un qui lui parle. Donc il y a une adresse, de cette manière dont elle est, branchée sur les réseaux sociaux, elle vient vous en dire quelque chose. Et vous, vous êtes dans une position de curiosité. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qu'elle y fait, vous n'y comprenez rien. Et le fait de ne rien y comprendre, c'est une position juste. C'est-à-dire que le savoir, c'est elle qui l'a. Et vous allez en apprendre quelque chose. Mais pour en apprendre quelque chose, vous lui faites crédit. C'est-à-dire qu'il y a un crédit qui est fait à l'adolescent, que quelque chose se passe pour lui, dont vous ne savez rien, mais par le biais de l'adresse et par le biais de ce qu'on appelle le transfert dans notre jargon,
eh bien, à ce moment-là, il peut en élaborer quelque chose, elle peut en élaborer quelque chose. Et au fond, elle est très lacanienne, elle vous dit, le signifiant n'est pas identique à lui-même. Et nous ne cessons pas de parler avec des citations. Et ça, c'est vraiment remarquable. Mais ça suppose l'adresse à quelqu'un qui l'écoute et à quelqu'un qui a laissé tomber un peu ses préjugés à ce moment-là. Et donc, comment on peut faire pour laisser tomber nos préjugés? Parce qu'on en a tellement des préjugés qui nous rendent un peu cons tout le temps. C'est comme ça. Bon, voilà. Très bien. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai qu'on a eu plusieurs discours depuis ces journées du Congrès, par exemple, du côté de la psychologie. On va faire des glossaires. On nous dit, tiens, c'est important de connaître un glossaire, savoir ce que tel terme va vouloir dire. C'est important, par exemple, de connaître bien les différents types de jeux vidéo, de jeux, pour pouvoir travailler avec les jeunes. Et là, on dit non, on va se laisser instruire par le jeune, on va avoir cette espèce de curiosité, le savoir, il est du côté du jeune. Si on n'a pas de curiosité, on ne peut pas faire ce métier. Il faut aller se coucher. Eh bien, écoutez, je vous propose, avant l'intervention de Mme Lerude, de peut-être donner la parole à la salle et de faire circuler un micro. Qui a le micro? Alors, il y a une question là-bas, mais je ne sais pas qui a le micro. Alors ça c'est notre boulot à nous, de faire en sorte que les règles soient compréhensibles le plus facilement possible et le plus intuitivement possible. Par exemple, chose très simple, on me tire dessus dans la vraie vie, je me dis ça va mal finir. Si dans un jeu vidéo quelqu'un me tire dessus, techniquement, ça devrait mal finir aussi. Souvent, on se calque sur ce qui peut se passer dans la vraie vie pour les règles évidentes. Genre, par exemple, tomber d'un immeuble, oui, on va se faire mal. Mais après, il y a certains jeux qui se jouent de ces règles-là. Par exemple, oui, on peut tomber d'un immeuble et il ne se passera rien. Mais du coup, il faut apprendre aux joueurs que c'est bon, tu peux tomber de l'immeuble, il ne se passera rien. En fait, les règles vont être énoncées, vont être apprises aux joueurs suivant des routines de jeu. On va plus ou moins le forcer à faire telle action pour qu'il comprenne que telle action fait ça, que telle action aura telle réaction. Donc il va se faire à ces règles-là et se les approprier. Et au bout d'un moment, il comprendra que s'il appuie sur tel bouton, il pourra rentrer dans une voiture, mais sa voiture, elle ne pourra pas aller dans l'eau. Chose classique. Donc c'est notre travail à nous, ça va se baser avant tout déjà sur ce qu'on appelle donc des tutoriels, où on va apprendre aux joueurs à jouer, ce qui, par exemple, dans n'importe quelle boîte de Monopoly, vous avez la règle du jeu, donc c'est un peu le même principe. Et il y a aussi, du coup, d'autres choses qui sont plus de l'intuitif. On va avoir des retours sonores, des retours visuels qui pourront signifier un danger, qui pourront signifier que quelque chose qu'il a fait est une bonne chose, suivant tout ce qu'on sait sur le travail des couleurs, le travail des sons. Si on met un son inquiétant, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal se passer. Si on met un son, ce qu'on appellerait rewardant, récompensant, c'est qu'on a fait quelque chose de bien. Donc c'est surtout ce travail-là qu'on arrive à donner les règles aux joueurs. Si vous posez une question, j'ai lu que, mais peut-être est-ce faux, que finalement dans les jeux qui fonctionnent par erreur-récompense, au bout du compte, on peut toujours gagner, qu'il n'y a pas d'injustice, qu'on peut toujours arriver, qu'il y a, à force de répétition, le joueur pourra gagner, puisque ça se joue par erreur-récompense. Et qu'il y aurait maintenant des jeux qui introduiraient
de l'aléatoire et de l'injustice, comme c'est dans la vie d'ailleurs. On peut faire ce qu'il faut et que ça ne marche pas. Ça serait dans la vraie vie. Mais est-ce que c'est cette idée d'introduire de l'injustice ou d'introduire aussi la question du deuil? Ce sont des choses que j'ai lues, que par exemple la mort de l'avatar peut aussi entraîner du chagrin et du deuil, et que ça peut être inscrit dans un jeu. Est-ce que c'est une invention de ma part, une mauvaise lecture ou... Alors, il peut y avoir des actions qui peuvent paraître injustes, mais un bon jeu vidéo n'est jamais injuste, parce que un jeu où on ne peut pas gagner, c'est plus un jeu. Il faut que, si on sait déjà le résultat d'un jeu à l'avance, il n'y a plus de plaisir à jouer. Ce qui peut paraître injuste, c'est des fois certaines actions d'un jeu où on ne comprend pas ce qui se passe, mais au bout d'un moment, on se dit c'est parce qu'on a un manque de compréhension des codes du jeu. Il y a des jeux qui sont basés là-dessus, où il y a beaucoup d'aléatoires, beaucoup d'objets avec lesquels on peut interagir, et du coup, la première fois qu'on joue, ça peut paraître injuste parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe, mais c'est le but du jeu, c'est de mourir vite pour recommencer une partie, et du coup, recommencer une partie avec plus de connaissances. Du coup, on s'en sort mieux, et à la fin, on se dit que le jeu n'est pas du tout injuste, parce que c'était juste qu'on manquait de connaissances sur le jeu. Donc c'est des jeux qui se basent sur un apprentissage par l'erreur, où on fait quelque chose, ça ne marche pas, on recommence, on fait quelque chose d'autre, ça ne marche pas toujours, on recommence, on trouve quelque chose que, comme ça marche bien, et c'est comme ça que le joueur progresse, mais à aucun moment il faut qu'il soit dans une position de « le jeu est mal fait ». Si le joueur à un moment se dit que le jeu est mal fait, c'est qu'il y a un échec de notre part. On ne peut pas perdre. On peut perdre, mais... au bout du compte, on gagne. L'échec va amener vers la réussite. Si un jeu où on perd tout le temps, c'est comme si par exemple on a une machine à sous, et que la machine à sous nous fait jamais gagner. Au bout d'un moment, on arrête d'y jouer, on comprend qu'on ne peut pas gagner, et du coup, il n'y a plus d'intérêt à y jouer. Mais ça, c'est un point, voyez, que je trouve très important, parce que la question, si on prend les adolescents, c'est la question de la perte. C'est-à-dire que le sujet adolescent, il est amené à réaliser la perte de ce que ça a été, de ce qu'a été l'enfance, la perte de l'image corporelle qu'il avait de lui-même, la perte de la place qu'il pouvait avoir dans sa famille et les exigences qui sont alors proférées. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus à ce moment-là d'être juste un joli enfant sympathique, etc. Il a à faire des preuves sans qu'on lui donne les moyens de faire des preuves, puisqu'il est en attente. Et donc, je trouve très intéressant que ces jeux, si on se plie à la règle du jeu, si on progresse par erreur, récompense, eh bien, il n'y aura pas de perte. Et ça permet peut-être d'attendre, puisque l'adolescence, c'est un temps d'attente. Il peut toujours y avoir des pertes, c'est pas parce qu'on maîtrise les codes qu'on ne peut pas faire des erreurs. Par exemple, prenons un exemple simple, la conduite. Vous commencez premier jour de conduite d'une voiture. Vous savez pas comment ça fonctionne, vous n'avez pas tous les codes. Donc vous allez faire plus d'erreurs, donc vous avez plus de chances de perdre. Mais c'est pas pour autant que quelqu'un qui a 10 ans de conduite derrière lui, qui connaît très bien sa voiture, pourra pas avoir un accident. Il y a les autres qui interviennent. Pas forcément, même il peut avoir un accident lui-même, ça peut arriver, une mauvaise manipulation. Le joueur, c'est pareil. Même s'il connaît très bien les codes, il peut avoir des accidents, mal faire quelque chose et perdre. C'est pas parce qu'on connaît bien un jeu que l'échec en est complètement réduit. On peut toujours avoir ce moment où, oui, je sais très bien jouer à un jeu, mais je perds. On voit ça, par exemple, y a beaucoup de disciplines sportives avec le jeu vidéo. Une discipline qui s'appelle donc le speedrun, qui consiste à finir un jeu le plus rapidement possible. Donc c'est des gens qui apprennent par cœur, mais vraiment par cœur, le meilleur parcours à faire pour finir un jeu le plus rapidement possible. Donc ils connaissent le jeu sur le bout des doigts, mais ça leur arrive d'échouer, et du coup de rater leur record. C'est pas parce qu'on connaît quelque chose parfaitement qu'on ne peut pas échouer, parce qu'il y a toujours l'humain qui rentre en compte. Si c'était une machine qui jouait, oui, une fois les codes acquis, il n'y a plus d'échec. Une autre interrogation sur cette forme d'utilisation des jeux,
c'est-à-dire ceux qui font... J'ai été très étonnée par ceux qui font des commentaires de jeux. C'est-à-dire d'avoir eu, par exemple, un adolescent dans ma salle d'attente avec le casque sur la tête, qui était en train de rire tout seul avec son portable. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il regardait des joueurs en train de jouer avec un commentaire plus ou moins graveleux sur le jeu des joueurs. C'est-à-dire qu'il avait mis en place en quelque sorte un montage optique. C'est-à-dire qu'il était tout seul, mais néanmoins, il n'était pas tout seul avec celui qui commentait, et il était aussi dans le jeu avec les joueurs. Et cette manière d'utiliser le jeu qui fait que ça vient biaiser, c'est-à-dire le sujet ne joue pas, il est dans une position, je dirais, tierce, là, puisqu'il y avait les joueurs, le commentateur, mais néanmoins, il est participant d'un collectif dans lequel il n'a pas de voix, mais il participe aussi à ce collectif. Alors, est-ce que ça, c'est calculé par les gens qui fabriquent des jeux, ou est-ce que c'est une subversion du jeu par les Squeezie et autres ? Alors, pour ce côté-là, pour moi, c'est exactement la même chose que les gens qui détestent aller jouer au foot, mais qui pourtant regardent un match chez eux. C'est... parce qu'en fait, des fois, c'est juste voir des gens, prendre du plaisir à voir des gens bien jouer. Il y a certains jeux auxquels je ne jouerai jamais, mais ça m'arrive de regarder des vidéos de gens qui commentent ces jeux-là, parce que... Ça arrive de regarder ça. Oui, parce que les gens qui jouent, c'est des gens qui savent bien jouer, donc c'est impressionnant à regarder. C'est comme donc, de regarder les JO, c'est impressionnant de voir un mec qui lance un poids loin. Moi, je serais incapable de le faire. Mais du coup, c'est intéressant à regarder. Et je pense que c'est... Il y a même des compétitions. Il y a énormément de compétitions. C'était l'an dernier, il y avait des discussions sur... via le ministre des Sports, de faire entrer l'e-sport, les jeux électroniques. Il me semble que c'était dans les Jeux Olympiques. Parce que c'est du sport professionnel. Ils ont leur coach, ils ont leur entraînement, il y a du dopage... Il y a tout ce qu'il y a dans le sport professionnel. Oui, vu que c'est des sports qui font beaucoup marcher les réflexes et le cerveau, il y a énormément d'équipes qui des fois se sont dopées à la cocaïne, qui du coup permet aux joueurs d'être beaucoup plus speed, beaucoup plus réactifs, et du coup d'avoir de meilleures performances. Donc ce côté regarder quelqu'un jouer, il peut se comprendre si on se base sur le fait on regarde quelqu'un qui joue mieux que nous. Comme on regarde des footballeurs jouer mieux que nous au foot. Et ça nous permet aussi d'apprendre aussi beaucoup. Moi, il y a beaucoup de jeux où je me disais « Oh là, ça a l'air trop compliqué, je vais jamais y jouer ». De regarder des gens y jouer et du coup voir comment eux y jouent, on apprend les codes du jeu et de se dire « Oh, finalement, c'est peut-être à ma portée, je vais peut-être essayer ». Très bien, il y a une question. Oui. Moi, je voulais revenir sur la question des compétences et justement par rapport à ce que vous, la question que vous aviez posée, que nous apprennent ces jeunes connectés. Et vous répondiez d'une certaine façon, du moment qu'on s'intéresse, on peut se comprendre. Et moi, je me dis que le rôle qu'on a aussi, c'est qu'à partir du moment où on peut s'intéresser effectivement et questionner vraiment les jeunes sur ce qu'ils font, alors on peut leur faire ce retour aussi, de leur permettre d'identifier leurs compétences, parce que c'est comme pour toutes les compétences, on peut les acquérir, mais pas forcément avoir conscience qu'on les a. Et c'est ce que vous disiez en arrivant en DUT, vous vous êtes rendu compte que des compétences que vous aviez pu développer par le jeu étaient là, valorisées, et jusqu'à maintenant, au lycée, personne ne vous en avait parlé, et personne ne vous avait fait de retour positif là-dessus. Et je me dis que nous, en tant que psychologues, on peut justement aider les jeunes à identifier les compétences qu'ils vont pouvoir développer dans le cadre des jeux vidéo et les mettre en valeur, ce qui permet de renforcer leur estime de soi et de pouvoir les utiliser pour faire des lettres de motivation, ou justement pour pouvoir entrer dans l'enseignement supérieur.
Et voilà. Mais ça, c'est possible qu'à partir du moment où on s'intéresse et où on se pose aussi en sujet naïf, en étant capable de questionner vraiment et de faire un retour et renvoyer les aspects plus peut-être formalisés. Parce que c'est aussi ce que vous dites, c'est-à-dire par exemple quand vous regardez une vidéo, moi je sais que je fais des ateliers méthodo avec des élèves de seconde et je leur dis avant de faire un contrôle, il faut lire le contrôle jusqu'au bout pour pouvoir savoir comment vous allez répondre aux questions. C'est la même chose en fait, c'est-à-dire que là vous dites on regarde d'abord la vidéo de présentation avant de savoir comment on va pouvoir rentrer dans le jeu pour pouvoir. Donc on voit que les stratégies comme ça de méthodologie, c'est des choses qui se mettent en place dans des cadres très différents et il y a peut-être des transferts à faire et aussi une valorisation de tout ce qui est acquis dans cet univers et qui est peu valorisé par les adultes. Effectivement, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. C'est la question, est-ce que c'est transférable ? Ben oui, je pense qu'il y a toute une partie de compétences qui sont à des moments de vie, je pense, différents, qui seront transférables. Donc, dans l'idée d'en prendre conscience aussi. Moi, j'avais juste une dernière question sur l'idée de perdre. Quand ils jouent en ligne, j'ai cru comprendre dans certains jeux qu'ils forment des groupes qui affrontent d'autres groupes. Et là, il y a par moment la notion de perte de la partie. Oui. Oui, il y a toujours. Mais on peut perdre une partie, mais c'est pas pour autant qu'on va toutes les perdre. Il y a tout ce que j'ai expliqué. Il y a toujours une possibilité de perdre dans un jeu. Et c'est comme voilà, c'est ça revient à ce qu'on parlait du sport. Qu'on fait un match de foot, on va pas tous les gagner. Et du coup, c'est là-dedans aussi qu'on voit que il faut que ça leur permette d'accepter la perte d'un côté, de se dire j'ai perdu, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu? Est-ce que c'est parce que j'ai mal joué? Est-ce que c'est parce que les autres ont mieux joué que moi? Est-ce que j'aurais pu jouer différemment pour gagner? Et du coup, ça leur permet de rebondir sur cette perte aussi, et pas juste se dire j'ai perdu, c'est parce que le jeu est mal fait ou parce que les autres ont triché. C'est une question ici. Oui, une question en particulier à Madame Lerude. Il me semble que le débat met l'accent sur les aspects positifs du jeu vidéo et un peu moins peut-être sur ces aspects négatifs qui sont pourtant fort clairement abordés par les deux jeunes garçons qu'on a pu écouter au départ. C'est-à-dire que, et vous assistez, Mme Lerude, sur le fait que les jeux vidéo permettraient un aménagement avec le grand autre, si on reprend les termes de Lacan, à l'âge de l'adolescence. Mais qu'en est-il du rapport au réel C'est-à-dire que l'autre, le grand autre, c'est la dimension symbolique. Qu'en est-il du rapport au réel du corps et de la jouissance? Et est-ce que cette attente ou cette mise en attente supportable que vous évoquiez, est-ce qu'elle ne risque pas de devenir une attente interminable? C'est une très bonne question, parce que bien entendu, on serait là amené à développer toute la question du corps et toute la question de la jouissance, de la mentalisation, puisque c'est pas... Ça ne va pas sans jouissance, ces jeux, dans la mesure où effectivement le corps, encore que ça va se changer avec les nouvelles, puisqu'il y a des changements techniques avec la 3D, avec les robots, avec l'introduction des sensations dans les jeux, néanmoins le corps est évité. Le corps est évité au profit de ce que nous on appellera la jouissance du mental. Et cette jouissance du mental, effectivement... Est-ce qu'elle est là, je dirais, comme la mise en place d'un système pour le sujet qui va le conduire à rester sur la jouissance du mental pour sa vie entière,
ou bien est-ce qu'elle correspond à un temps nécessaire d'évitement? En jargon, on va parler d'évitement de la castration, hein, mais c'est pas seulement ça. Est-ce que ça va être effectivement un évitement de la mise en jeu du corps? Mais le corps, on n'y a jamais affaire comme réel, à moins d'être médecin, on a affaire au réel du corps de l'autre. Mais en tant que sujet, on a affaire à un corps complètement imaginarisé. Bien entendu, la référence au réel, l'accrochage au réel, il est là. Mais c'est ce corps imaginarisé, érotisé, que l'adolescent doit s'approprier. Là-dessus, il gagne du temps avec les jeux. Il gagne du temps. La pornographie, ce n'est pas l'érotisation. La pornographie, ce n'est pas la mise en jeu du sexuel. C'est un discours très simplifié qui met le sujet à l'abri. C'est la rencontre de l'autre qui va permettre que le sujet, le corps, soit érotisé et soit un corps de jouissance et pas seulement un corps relégué. Donc, on est là, effectivement, à parler de cette espèce de coalescence entre la technique, cette technique fabuleuse, et puis la position adolescente, en sachant qu'à la position de l'adolescence, eh bien, c'est aussi le moment de survenue de la psychose, que c'est aussi le moment de la mise en place des addictions radicales. Alors, aujourd'hui, on est content, on va faire de l'addiction au numérique une nouvelle addiction. Il va y avoir des services qui vont se créer pour ça. Ça rentre dans le DSM 5, ça fait partie de la psychiatrie, là où on aurait parlé de compulsion, par exemple, autrefois, les psychiatres français auraient parlé de compulsion, maintenant on va parler d'addiction. Addiction à quoi? Voyez, on est en train de créer effectivement une nouvelle pathologie, aussi cette pathologie imprononçable des Japonais, là, Ikiromoki, je crois. C'est-à-dire que est-ce que c'est l'outil informatique qui va créer la personne addictive ou qui va créer la psychose? Je ne le crois pas. Je crois que cet outil, il est là, il est à portée de main et les sujets s'en servent. On va voir des jeunes psychotiques qui vont être branchés toute la journée sur des jeux. Ils ne se différencient plus à ce moment-là des névrosés qui sont branchés sur les jeux. On a là une espèce de normalisation temporaire, factice, de la psychose qui ressemble à cette espèce de rapport normal de l'adolescent au jeu. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais ça va permettre de passer aussi un cap. Et je crois qu'on a à utiliser ce qui est là. C'est pour ça que vous avez raison de dire je suis positif, parce que je, vraiment, les discours catastrophiques, passéistes, il est toujours joli le temps passé, je trouve que c'est inintéressant. Il y a la souffrance de chacun et il se trouve que cet objet permet, cet objet numérique, via les écrans, via la manière dont un sujet peut s'y engager, permet de répondre pour certains à la souffrance, à leur souffrance singulière, d'une manière qui ne résout rien, mais qui est un temps pour comprendre. Le temps pour comprendre. Et le temps pour comprendre, c'est le temps de l'adolescence. Et c'est en ce sens que j'ai une position foncièrement positive, encore une fois, de curiosité. Et je crois que cette curiosité, cette position de non-savoir, elle nous permet de travailler autrement avec les adolescents qu'avec un certain nombre, je dirais, d'impératifs qui sont là. Je ne méprise pas l'urgence d'avoir à avancer, à changer de classe, à passer son bac, à s'inscrire. Mais néanmoins, à l'intérieur de cette urgence si pressante, il y a une autre temporalité et cette autre temporalité qui est la temporalité de chacun, le jeu peut en être le jeu, les réseaux sociaux peuvent permettre un chemin. Vous savez, Freud y parlait toujours des détours qu'on est amené à faire dans sa vie. Et je crois qu'il y a là des détours dont il me paraît
urgent et important d'y s'intéresser. Et ces détours, ils sont parfaitement inédits. Et ce côté inédit, on ne sait pas, et c'est vrai qu'on ne sait pas, la manière dont on va se positionner par rapport à ce « je ne sais pas », et ça a des effets aussi sur les personnes qu'on reçoit. Et sur sur le crédit qu'on fait à leur trouvaille et à leur invention. Et c'est ça ma position, c'est faire crédit à la trouvaille et à l'invention des sujets que je suis amenée à recevoir. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu, mais si on voit les choses du côté de l'addiction, ou du coup, je trouve qu'on est paumé. On va dire, il est addict. Alors c'est une nomination être addict, hein. Et là il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais c'est une nomination, on est addict, on est un objet, addict à un objet, c'est l'objet qui dit ce que vous êtes. Alors que la position d'un analyste, c'est de dire oui, il y a l'objet, mais entre le sujet et l'objet, il y a un espace, et c'est cet espace-là qui est intéressant. Pour revenir du coup sur ce que vous étiez en train de dire, sur le fait que d'enfermer les gens dans la case de « il est addict » et de ne pas s'y intéresser, plus que ça, de ne pas analyser. Voilà. Faire du comportementalisme. Ce qu'on avait par exemple en préjugé avant sur les jeux vidéo, c'était les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils s'enferment dans des mondes virtuels, ils n'arrivent plus à faire la différence entre le réel et le virtuel. Alors qu'il y a j'avais lu une recherche là-dessus, je pense que vous pourrez la retrouver sur Internet, qui avait l'air d'affirmer le contraire, où dans cette recherche, ils étudiaient le comportement des rêves des joueurs et des gens qui ne jouent pas, et ils se sont rendus compte que les joueurs arrivent plus à avoir un état de rêve conscient que les gens qui ne jouent pas. Donc les gens qui jouent arrivent à se rendre compte qu'ils rêvent, qu'ils sont dans un univers virtuel, un univers qui n'existe pas, et du coup, ils sont conscients qu'ils rêvent et ils arrivent à manipuler leurs rêves pour jouer avec dans leur sommeil. Donc on se rend compte que les joueurs sont plus conscients de la réalité que les gens qui ne jouent pas au final. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me paraît important, c'est que la réalité, elle est toujours subjective. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité psychique. Pour chacun, la réalité est déterminée par le cadre de son fantasme et c'est sa lecture du monde qu'il fait. Le jeu peut se surimposer effectivement au cadre du fantasme du sujet, mais si le fantasme est correctement mis en place, et ça s'est fait bien avant, si le fantasme est mis en place, la réalité psychique, elle reste la réalité psychique, c'est-à-dire notre façon d'interpréter le monde et d'interpréter ce qui nous arrive. En ce qui concerne la réalité virtuelle et la réalité serait dite réelle, les joueurs le savent, ceux qui jouent, les adolescents que je rejoins, dans le champ de la névrose, ils le savent très très bien. Ils savent très très bien ce qui est de l'ordre du jeu et ce qui n'est plus du jeu. Donc c'est finalement pas là qu'est la difficulté. C'est la difficulté diagnostique de la psychose ou pas la psychose. Et ça, à l'adolescence, on est dans un brouillard que la clinique et que le savoir ne permet pas forcément de trancher, parce qu'on peut avoir des manifestations extrêmement graves, voire des moments délirants chez un sujet qui ne sera pas du tout psychotique. Et puis un sujet tout à fait qui ne laisse rien paraître, qui est tout à fait, bien dans les rails et qui va commencer une psychose. Donc on a une prudence très très grande à avoir avec l'adolescent et finalement la manière dont il joue peut aussi nous donner des indications dans la manière dont ils interprètent le jeu. Et ce qu'ils en font, et ce qu'ils en restituent dans un lien transférentiel. Hein. Alors, je sais pas. Il y a une autre question dans la salle, peut-être. On va laisser oui, merci. Moi, je voulais, deux petites questions, peut-être simples. Je voulais savoir si vous continuez de jouer aujourd'hui, par exemple, Benoît Lafont, par rapport à ça. Et puis, la deuxième question que je pose en même temps, c'était de savoir aussi, avec le recul, qu'est-ce que vous en avez tiré de l'adolescent que vous étiez
par rapport au fait que, ben, entre l'école et le numérique que vous avez découvert, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à des jeunes que vous voyez ou qui sont peut-être dans un mal-être à l'école ou etc., et qui s'adonnent à vos jeux, par exemple, que vous créez, voilà, ça m'intéresse de savoir un peu comment vous vous positionnez un petit peu dans tout ça. Alors, premièrement, moi, oui, je joue toujours, parce que c'est mon métier avant tout. Donc, maintenant, je ne dis plus trop que je joue, je fais de la recherche et développement, on va dire. Ça a changé. Non, mais c'est important de beaucoup jouer, parce qu'il faut savoir ce que les autres créent, comment ils le créent, quelles idées ils arrivent à faire passer. C'est un peu comme si on demandait à un écrivain s'il lisait des livres, s'il avait arrêté de lire ou pas. Après, pour ce qui est du retour que je peux avoir quand je vois des jeunes jouer, j'arrive beaucoup plus à me projeter dans ce qu'ils peuvent vivre. Par exemple, quand je joue à des jeux en ligne et que je me retrouve avec des collégiens qui peuvent être mal dans leur peau, mal au collège, au jour le jour, je peux arriver à me projeter dans ce qu'ils vivent et essayer de leur communiquer un message d'espoir en disant que j'étais à peu près dans la même situation, mais il y a toujours possibilité de faire ce que tu aimes et de faire de ta passion quelque chose d'intéressant pour tout le monde et pas juste pour toi. Donc j'essaie de les orienter potentiellement vers quelque chose qui leur plaît. Moi, je sais que souvent quand on arrive sur des jeux en ligne ou quoi et qu'ils nous demandent qu'est-ce que tu fais pour vivre, tu leur dis je travaille dans le jeu vidéo, ils ont des yeux grands ouverts, souvent ils demandent ouais, comment est-ce que je pourrais faire pareil, par où passer, et du coup on les conseille. C'est comme quand on reçoit par exemple des stagiaires de 3e en entreprise qui viennent découvrir. On avait reçu une jeune il n'y a pas longtemps, où d'ailleurs ça nous avait choqué parce que ce qu'elle voulait faire c'était de créer des objets en 3D, faire de la modélisation 3D pour travailler dans le jeu vidéo, et sa conseillère d'orientation, elle nous a raconté que sa conseillère d'orientation nous avait dit qu'elle devait plutôt faire médecine vu que c'était une fille, plutôt que d'aller travailler dans le jeu vidéo. Donc nous, on était complètement choqués d'entendre ça. C'est ce qu'elle nous a raconté. Je rapporte ses propos, elle nous a raconté ça. Donc nous, on était atterrés devant ça. Mais du coup, on a réussi à l'encourager. Nos modélisateurs 3D ont passé des heures avec elle pour lui donner des conseils, savoir comment mieux travailler, des potentielles suites de carrière pour les études supérieures, pour justement qu'elle ne perde pas sa passion et qu'elle mène son projet à bout. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Mais alors, est-ce qu'il y a des différences entre les jeux conçus par des filles et par ceux conçus par des garçons? Je dirais que foncièrement, oui, il y a toujours des différences, parce que dans nos sociétés, de base, l'expérience vécue par une fille et par un garçon ne sera pas la même. Donc du coup, les différents types d'individus n'auront pas la même chose à raconter. Oui. C'est comme demander si une personne blanche aura la même chose à raconter qu'une personne qui subira plus de racisme. Dans cette idée-là, il n'y aura pas la même expérience vécue, il n'y aura pas la même chose à raconter. Et du coup, oui, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas être un milieu exclusivement masculin, ce qui était beaucoup le cas avant dans le milieu du jeu vidéo, parce qu'on se disait, il n'y a que les garçons qui jouent, c'est pour les garçons, ce qui est totalement faux. Et du coup, avoir des équipes avec des filles, des gens qui viennent vraiment d'horizons totalement différents, ça permet justement beaucoup d'échanges et de créer des fois des jeux qu'on n'aurait pas pensé à créer avant. Alors, dans ces nouveaux jeux, est-ce que vous avez eu des surprises? Par exemple, la 3D, ça change quelque chose. Enfin, est-ce qu'il y a pour vous eu une surprise qui est un habitué dans des jeux? Quelque chose? Je dirais qu'il peut toujours y avoir des surprises, parce que la 3D, par exemple, c'est plus une surprise technologique. On change de rapport au jeu, parce qu'on ne peut plus se déplacer de la même façon, on n'a plus les mêmes façons d'interagir. Donc c'est une forme de surprise.
Ouais, c'est un nouveau genre. Se déplacer sur l'écran, hein, vous voulez oui, dire. Je parle de ça. Le corps est toujours pareil, immobile. Pareil, la, la réalité virtuelle, c'est aussi une forme de surprise, parce que c'est quelque chose de totalement nouveau qui bouscule les codes. En fait, du moment que ça bouscule les codes, il peut y avoir cette surprise. Parce que souvent, quand on parle de jeux vidéo, on parle des gros, ce qu'on appelle des triple A, ce qui pour le cinéma peut s'apparenter au blockbuster. Donc c'est les jeux qui font des gros chiffres avec des codes bien établis où il n'y a rien de surprenant. Vous allez voir un film de super-héros au cinéma, vous n'allez pas être surpris, vous aurez ce que vous êtes venu voir. D'ailleurs, il y a un lien entre ces jeux et les films. Oui, c'est à peu près la même industrie. Ça marche avec des gros blockbusters et, des petits jeux, ce qu'on appelle des jeux indépendants, où là, il y a plus de prise de risque. Par exemple, il y a un jeu qui avait fait beaucoup parler de lui, qui avait beaucoup surpris à l'époque. C'était un jeu qui s'appelait Undertales, où c'est un jeu d'aventure où tout le jeu peut être résolu sans aucune violence, sans aucun combat. On arrive devant une confrontation avec un monstre ou quelque chose, et on peut résoudre cette conversation en parlant avec lui, en se rendant compte que le monstre, en fait, il a juste envie d'un câlin, donc on lui fait un câlin plutôt que lui taper dessus, et du coup, il nous laisse passer. Et c'est un jeu qu'on peut faire entièrement de manière pacifiste. Il y a des jeux aussi qui sont vraiment très expérimentaux, où il me semble qu'il y en a un où c'est juste regarder un arbre pousser. On joue un arbre, on regarde, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est expérimental. Il y en a un où on joue des pétales de fleurs et il faut se laisser porter par le vent. Du coup, le seul but du jeu, c'est de se promener dans des paysages bucoliques à voler à travers les fleurs. Pas croire que les jeux vidéo se résument à faut faire la guerre, faut tuer des gens, faut faire des courses de voiture et jouer au foot. Il y a une multitude de jeux qui puissent exister. Je crois que vous aviez une autre question. Oui, je voulais savoir si vous aviez des enfants et si vous les faites jouer, à partir de quel âge, pour quel jeu. Est-ce qu'il y aurait des bons jeux, des jeux plutôt à éviter, et quels seraient finalement les intérêts? Est-ce qu'il y aurait des jeux qui solliciteraient le rêve, le raisonnement, etc. Ça serait intéressant de pouvoir un petit peu catégoriser et mieux les connaître, ces jeux-là. Alors, non, moi, je n'ai pas d'enfant, mais notre chef d'entreprise, lui, a des enfants, et il suit de très près les jeux auxquels il joue, car déjà, il s'y connaît. Et ça, c'était une discussion qu'on avait pu avoir sur la responsabilité des parents dans les jeux auxquels jouent leurs enfants, parce que il y a plusieurs systèmes qui sont mis en place au niveau légal sur les jeux. Si vous prenez un boîtier de jeu, vous le retournez, vous avez des petits logos qui vous disent ce jeu est interdit aux moins de 16 ans, ce jeu contient de la violence, ce jeu contient du sexe, ce jeu contient des références à de la drogue, du langage grossier. Donc normalement, en tant que parent, quand vous prenez un jeu, vous savez à peu près ce qui va être contenu dans ce jeu-là. J'ai fait une expérience simple ce matin, j'ai pris une jaquette de film que j'ai retournée. C'était une série, c'était, pour ceux qui reconnaissent, Narcos. J'ai retourné, il y a juste écrit « Interdit aux moins de 12 ans ». Sachant que dans la série, il y a de la violence, du sexe, des images d'archives de gens assassinés par les narcotrafiquants. C'est quand même une série qui peut être choquante pour un jeune public. Il y a juste écrit « Interdit aux moins de 12 ans ». Actuellement, pour les jeux vidéo, il y a une législation plus importante sur qu'est-ce qui est contenu dans le jeu que pour les autres médiums qui existent actuellement. Donc c'est vraiment aussi le rôle du parent de s'assurer que le jeu auquel son enfant veut jouer corresponde à ce que son enfant, à ce que le parent considère ce que l'enfant peut voir. Je dirais que c'est la même règle appliquée pour tout. Si votre enfant a envie d'aller voir un film d'horreur et qu'il a 5 ans et demi, vous allez peut-être dire non, c'est peut-être pas pour toi, attends un peu d'être plus grand. Bah, pour les jeux vidéo, c'est pareil. C'est pas parce que votre enfant dit je veux jouer à GTA à 10 ans qu'il faut lui offrir GTA, parce que derrière la boîte, il y a écrit « Interdit aux moins de 18 ans ». Il y a un biais dans notre société qui place le jeu vidéo, je pense, c'est vu qu'il y a « jeu » dedans, on se dit « c'est pour les adolescents, c'est pour les enfants ». Alors qu'il y a une grande majorité des jeux qui sont plus adressés à un public adulte, où c'est pour des gens plus matures. C'est quand même un peu une nouveauté, parce que le jeu...
enfin moi je suis peut-être je suis d'une ancienne génération, mais le jeu c'était la cour de l'école, c'était voilà. Maintenant, ce qui est quand même assez nouveau, c'est le jeu peut intéresser aussi des adolescents et des adultes. Ça, je trouve que ça, c'est nouveau pour moi un petit peu. C'est sûr, si on part du principe que voilà, avant il y avait, enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec ce système de avant les jeux c'était pour les enfants, parce que moi je me rappelle quand j'étais petit jouer à Risk avec mes parents. Ce jeu de plateau, j'étais petit, je comprenais rien. Mes parents, ils s'amusaient beaucoup, mais moi, je comprenais rien. Donc, c'est bien pour dire qu'il y a des jeux de plateau qui sont plus pour des publics un peu plus âgés. Pareil, mes grands-parents qui jouent au Scrabble, ils jouent. Il ne faut pas se cantonner au jeu, c'est pour les enfants. Pour moi, C'est vrai qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire là, dans les cas que moi j'aurais voulu vous parler si j'avais fait mon topo, c'était des cas que j'ai vus il y a 10 ans, c'est-à-dire quand il y avait un ordinateur par famille. Aujourd'hui, chacun a son équipement, chacun a son smartphone, et effectivement, il n'y a pas que les enfants qui jouent. Les parents jouent, chacun est branché à sa façon. C'est-à-dire que quand vous avez une famille, là vous parliez de la régulation du temps devant les écrans, je crois, quand vous avez dans une famille où tout le monde est là, branché sur l'écran. C'est-à-dire que la règle familiale a beaucoup changé par rapport à quand il n'y avait qu'un ordinateur dans la famille ou quand il n'y avait qu'une télévision. Donc on assiste à une transformation complète de la société. Alors on essaye, les psychiatres essayent de mettre des règles. Par exemple, Serge Tisseron a essayé de poser une règle 3, 6, 9, 12. Est-ce qu'on peut faire le temps d'écran selon l'âge, les jeux possibles selon l'âge? Mais on est là, on navigue à vue, puisque tout le monde est, comment dirais-je, pris à sa façon, c'est de manière singulière, dans ce rapport à quoi ? Aux écrans, à Internet, au numérique, au digital, je ne sais pas comment on le nomme. Chacun y est pris d'une façon extrêmement singulière. Et du même coup, la vie familiale, la vie avec les autres, s'en trouve aussi complètement modifiée. Par exemple, j'ai un point sur lequel je me permets, avec les enfants. On va dire, oui, les enfants, ils sont devant les écrans et c'est très difficile de les en sortir des écrans. Mais on assiste aujourd'hui à des parents qui surinvestissent leurs enfants, en leur faisant beaucoup de choses avec eux, en étant très présents, en étant là tout le temps, etc. Et puis quand ils n'en peuvent plus, eh ben, ils les mettent devant l'écran. Ils les mettent devant l'écran, pourquoi ? Parce qu'avec l'écran, on est tranquille. Ils ne vont pas aller sortir dehors, ça pourrait être dangereux. S'ils vont dehors jouer au ballon, ils peuvent se prendre un ballon sur la tête, ils peuvent rencontrer un pédophile au coin de la rue, ils peuvent leur arriver des bricoles imprévisibles. Donc, le corps de l'enfant est en quelque sorte maintenu, entravé, dans un espace qui est l'espace de la maison. Et puis, il y a l'écran. Après, on va dire, ben non, il ne faut pas trop d'écran, etc. Mais l'écran comme aide à l'éducation, et puis aussi comme pour se tenir tranquille, se tenir en place. Et en même temps, on a affaire à des enfants qui souvent n'ont plus, je dirais, de déplacement dans l'espace. Déplacement dans l'espace, sortir de chez soi, jouer au ballon. Alors non, on ne joue plus au ballon, on joue à des jeux de ballon sur l'écran. Et ça, il s'agit d'éviter les dangers que les enfants pourraient courir. Et on a l'écran à disposition. Et aussi d'éviter ce qui peut paraître très difficile pour un parent, c'est-à-dire le moment de solitude où il n'y a rien à faire et ce qui pourrait s'appeler l'ennui. Donc, il faut que l'enfant ait des activités, il faut qu'il ne s'ennuie pas et qu'il soit protégé de ce temps qui est la solitude subjective. Et c'est un temps dont on ne peut pas faire l'économie, ce moment de solitude subjective. Mais néanmoins, les écrans viennent là pour combler, boucher les trous, pour que d'un seul coup, le sujet ne serait pas dans un moment
de rêverie, tout seul, avec ses fantasmes, avec son flou, avec quelque chose dont il n'aurait rien à dire. Et bon, on est dans un moment complètement inédit avec ça. Voilà ce que je voulais remarquer. Une question ? Oui, bonjour. Déjà, je voulais remercier les collègues aussi psychologues pour leurs vignettes et les témoignages recueillis qui étaient, je trouve, extrêmement riches et intéressants, et la façon aussi dont ils s'interrogent sur leur pratique, la curiosité, la remise en cause. Enfin, j'ai trouvé ça parce que je me suis vraiment retrouvée aussi dans le fait que peut-être dans un entretien, voilà, quand il y a un jeune qui dit qu'il est sur les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, on ne va pas forcément aller creuser autrement que pour peut-être vérifier qu'on n'est pas dans de l'addiction, justement, que ce n'est pas trop, etc. Et donc s'interroger aussi sur l'expérience vraiment particulière de ce jeune et ce que ça peut en dire du point de vue de sa propre projection, j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, moi, ça m'a vraiment éclairé et je remercie les collègues pour ça. Et sur notre propre aussi positionnement en tant qu'effectivement... voilà, on est dans la curiosité, on est dans le non-savoir. Et je trouve qu'à l'heure où on nous oblige aussi à être des personnes expertes qui doivent former les enseignants, qui doivent amener un parcours très construit du jeune, voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose aussi, un positionnement qui est rafraîchissant. Voilà. Et sur la question de la perte, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans l'exposé, c'était cette notion de droit à la seconde chance, à la troisième chance, etc. De pas être, on peut perdre, mais il y a toujours une façon de recommencer. Et c'est vrai que ce qui manque peut-être, et c'est pour ça aussi que dans notre société là, on a ces jeunes qui se tournent aussi vers ça, parce que, enfin, il me semble que dans notre système scolaire, la deuxième chance ou la troisième chance. On l'a pas forcément, et c'est vrai que le droit à l'erreur ou la valeur aussi de l'erreur, c'est peut-être ça aussi que nous réapprennent finalement quand on apprend à regarder autrement les jeunes qui jouent à ces jeux, à se réinterroger aussi sur la violence ou la dureté de notre système qui donne pas forcément beaucoup de seconde chance ou de troisième chance. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça pousse aussi les jeunes, et on a dit aussi, en critiquant aussi quelque part, c'est la génération zapping, ils veulent toujours changer, mais finalement, est-ce que c'est pas si mal que, en fin de troisième, ils vont quelque part, ils rechangent, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette façon-là de rassurer en disant, on a une deuxième vie après une erreur. C'est peut-être vers ça aussi qu'il faut, dans notre positionnement de psychologue dans l'éducation nationale, qu'il faut peut-être qu'on arrive aussi à peut-être beaucoup plus valoriser et argumenter par rapport à ce temps de l'adolescence qu'on doit accompagner, nous, dans l'école. Oui, je trouve ça très intéressant ce que vous amenez là. C'est vrai qu'on est quand même dans des paradoxes dans notre métier, à la fois dans ces postures-là de non-savoir, dans un rapport à l'adolescent, et en même temps de plus en plus d'injonctions de notre institution pour être des experts et des formateurs, comme on le sait. Hein, merci en tout cas de vos remarques. Je n'ai pas le temps de faire mon topo, on est d'accord. Mais on va continuer à discuter, mais enfin quand même, je vous le dis. Je vais quand même dire comme ça ce que je souhaitais, ce que j'avais développé dans mon propos. Mon titre, c'était du virtuel à la fiction, c'est-à-dire que, bien entendu, c'est d'une place de psychanalyste, de thérapeute, donc une place de cas par cas. Hein, c'est pas des vérités concernant tous les adolescents ou tous les jeux. Mais dans la manière dont certains adolescents sont dans la difficulté pour parler, qui vont mal, qu'on nous amène, et dont les parents nous disent ils sont addicts à des jeux, ils ne parlent pas, à l'école c'est tout juste, ils passent de classe en classe, mais ils n'ont rien à dire. J'ai été frappée comment, avec certains adolescents, la façon dont ils ont pu élaborer, je dirais, ce qui était leur jeu, les avatars qu'ils s'étaient choisis, la manière dont ils étaient pris
le jeu qu'ils avaient choisi, la manière dont ils trouvaient là des nominations. Parce que quand on choisit un jeu, on choisit aussi un nom, une nomination sur laquelle on se range. On n'est pas seulement un geek, mais un geek, être un geek, c'est aussi une identité. On choisit une nomination. Et dans le jeu, on peut avoir des avatars qui vont rendre compte, je dirais, de nos différents aspects de personnalité. On peut être, me disait un garçon, on peut aussi bien être une fille, un garçon, un trans, et on se donne des qualités. Et quand on se donne des qualités, quand on donne des qualités à son avatar, eh bien, on choisit des signifiants. Qui vont, ces qualités, elles s'expriment par des signifiants. Il va être, par exemple, noir, fort, avoir tel costume. C'est-à-dire, ce sont des mots que le sujet a choisi lui-même comme qualité à son avatar et qui viennent s'inscrire dans son histoire à lui. Et c'est ça qui est passionnant, c'est comment, à partir de ces mots qui sont mis en circulation, par le biais des avatars ou par le biais du choix du jeu. Par exemple, je pensais à un patient sur la question de l'obéissance, je vous interrogeais, qui était un soldat obéissant pendant 3 années dans des travaux d'écriture aussi, puisqu'il y a quand même toute une partie de certains jeux qui supposent d'écrire. Et ça, c'est tout à fait important, d'écrire les missions qu'on réalise. Et les missions, c'est toujours quand même un moment d'événement dans une vie qui est sans événement, pour certains. Donc, il y a là quelque chose de toute une manière, comment dirais-je, virtuelle, avec l'appui du jeu, qui peut être restitué dans un entretien, grâce au transfert, sous forme d'une fiction. C'est-à-dire que le sujet s'en empare et devient le narrateur de ces personnages dans le jeu. Et à partir de là, on pourra faire des associations, comme on fait des associations avec les éléments d'un rêve, par exemple. Et alors que le sujet croit ne rien dire de personnel, quelque chose de beaucoup plus intime pourra surgir à partir de ces éléments du jeu. Je pense à un patient, il avait choisi comme avatar, le nom donné à son avatar, c'était anarché. Anarché, ça signifie anarchie. Donc il y avait là ce soldat obéissant qui avait pour nom anarché, c'est-à-dire l'anarchie, lui, de tout ce qu'il pouvait ressentir, mais qui se trouvait là, en quelque sorte, réglé pour un temps, la durée du jeu. Mais ce jeu qui exigeait une écriture quotidienne. Et puis quand il a joué pendant 3 ans, et puis après il est passé à autre chose, et puis il a cessé de venir me voir, et puis il a fait, et je veux dire, son engagement dans l'existence n'a pas été entravé par le jeu, mais il avait trouver l'adresse à un psychanalyste. Donc, la virtualité de ce qui est mis en jeu, dans le jeu, pardon, de la redondance, pour que cette virtualité-là puisse se transformer en fiction, il faut une adresse. Et cette adresse, bon, c'est l'adresse à l'analyste, mais ce n'est pas forcément un analyste. Ça peut être l'adresse à un éducateur, à un ami qui va savoir mieux jouer, par exemple. Ça peut être l'adresse à la psychologue scolaire. Ça peut être l'adresse aussi à quelqu'un, je dirais, qui fait suffisamment crédit à l'adolescent de son entreprise. Donc, ça peut être le premier venu aussi. C'est pas forcément un psychanalyste. Le psychanalyste, c'est son travail, mais c'est pas forcément un psychanalyste. Ça peut être un parent. Ça peut être un parent aussi. Bien sûr. Parfois, on constate qu'ils viennent nous chercher aussi pour partager. Il serait qu'il y a plus. On a souvent tendance à dire le monde, le jeu, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Et parfois, on est interpellé. Ils veulent aussi. On disait tout à l'heure nous apprendre, mais nous transmettre leur plaisir du jeu. Oui, alors bien sûr, vous parlez de plaisir du jeu, c'est un mot qu'on n'a pas employé, mais c'est cette dimension ludique extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un ludique et c'est sérieux aussi. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est-à-dire à la fois le sérieux qu'il faut pour être dans le jeu et en même temps cet espace
ludique qui s'ouvre et qui peut être quand même un espace de création. Moi, je voulais juste revenir vite fait sur du coup, ce que vous avez dit sur l'interaction avec les parents. Parce que c'est vrai que c'est souvent, on a tendance à s'enfermer dans le cliché de « il joue à ces jeux, je vais pas m'immiscer ». Alors que, bien souvent, jouer à des jeux vidéo avec son enfant, ça permet de créer un lien et de, je vais dire, normaliser son passe-temps. Parce qu'il y a toujours beaucoup la vision de tu joues aux jeux vidéo, tu t'éloignes, tu te coupes de tout. Que si le parent joue avec l'enfant, il n'a pas cette relation de il fait quelque chose qu'il ne doit pas faire, qui est mal. Et du coup, il partage avec ses parents, il crée un lien. Moi, je me souviens de très bons souvenirs quand j'étais petit. C'était quand je passais une heure à regarder mon père jouer à l'ordinateur. J'étais tout marmot, je me mettais à côté de lui et je le regardais jouer et on échangeait là-dessus. Et oui, c'est un peu lui qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo. Car voilà, j'ai un peu suivi son exemple. Et à l'envers, c'est aussi un moyen pour se mettre à l'abri de ce qui se passe dans la famille, de l'emprise, par exemple, quasi incestueuse, maternelle, quand vous avez des garçons qui vivent tout seuls avec leur mère. C'est souvent des configurations où il s'agit de mettre une limite à l'intrusion de l'autre. Et voyons, ça peut être utilisé de façon tout à fait différente selon les âges. Ça peut être en relation, ça peut être aussi une manière de mettre de la séparation. Donc, pour chacun, c'est une affaire singulière. D'autres remarques, questions ? Autrement, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, il est 11h40.